J'avais peut-être à la limite une base et un cocktail un peu détonnant au départ pour avoir une recette qui pouvait marcher. C'est-à-dire que déjà il y avait l'avion. L'avion, je me suis aperçu depuis que j'ai commencé mon métier de steward que l'avion c'est quelque chose qui fascine les gens. Quand vous parlez de l'avion, des coulisses de l'avion, les gens ça attise leur curiosité, ils veulent savoir ce qui se passe. Donc il y avait ça. Après il y avait le côté ch'ti qui rend les choses beaucoup plus populaires et le côté gay qui rendait l'ensemble marrant. C'est-à-dire ch'ti. Je disais le steward. Je suis le steward en fait. Et voilà. Et donc je me suis rendu compte que mon propos intéressait les gens et ce que je racontais. J'ai mis en opposition le milieu d'où je venais, donc le nord modeste de la France, et le milieu où j'ai évolué, les codes d'une compagnie aérienne avec le chic français à l'étranger. En gros, à la base, j'avais rien à foutre dans un avion et pourtant j'y étais 20 ans. Et c'est ça qui fait rire, je pense. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dans les prochains mois, les prochaines années ? Ah ben, un Oscar Hollywood l'année prochaine. Non, est-ce qu'on peut attendre de moi dans les prochains... Je sais pas, il y a plein de projets. En plus, j'ai envie de croquer tout ce qui se passe. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Et que maintenant que j'ai la crédibilité pour le faire, j'ai envie de m'essayer. Donc le théâtre, oui, bien sûr. J'avais déjà joué une pièce avec Laurence Badie, Henri Guibé l'année dernière. J'ai envie de remettre un projet théâtral. Donc j'ai quelques idées. On m'a proposé des projets téléfilms et cinématographiques. Et j'en parlerai le moment venu, parce que j'ai un peu superstitieux. Mais il y a plein de choses qui se dessinent. Et puis ce bouquin, c'était des choses que j'avais envie de dire depuis longtemps. C'est comme un billet d'humeur, c'est pas une autobiographie, c'est comme des anecdotes ou des billets d'humeur avec des vraies infos quand même. Mais c'était un truc qu'il fallait que je donne. Donc ça fait pas beaucoup de vie sociale, mais ça fait plein de projets, donc c'est bien.